Prêt, pilote ? Dernier appel ! Attention ! Go ! Oh, mamie ! Faut vous le dire comment ? C'est un terrain de sport, ici ! Oh, faut pas passer par là ! Ah, c'est toi, mon petit Samir, tu m'as fait peur. Oh, Toufi, je te jure, je t'en connais, hein. C'est encore le compte est mort, hein. Bon, dernier départ. Et c'est fini pour aujourd'hui. Alors, je veux que ça gicle. OK? Oh. OK, prêt, pilote. Dernier appel. Attention. Go! Crie à l'oubli, à la souffrance, car nos vieux, nos vieilles se meurent seuls dans leur demeure, dans leur demeure, victimes de la canicule, du non-calcul de leur petit-fils. Papi, mamie mènent une vie difficile, porte-parole de la jeunesse dite difficile. Nous vous aimons et c'est sincère. Mamie, t'es seule face à ton sort, t'as des courses, pas d'ascenseur. Laisse-moi t'aider, faire traverser, en bref, te sécuriser. Mère de nos mères, tous les jours tu meurs un peu plus. Je cite, lorsqu'une personne âgée meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Lorsqu'une personne âgée meurt, c'est toute la jeunesse qui hurle. Alors, mamie, un petit coup de main. Oh, c'est toi, mon petit Samir. Ouais. C'est lourd, tu sais. C'est pour ça que j'ai pris le raccourci tout à l'heure. Mais oui, mais il faut faire attention, mamie. Oui, je sais, mais... Ouais, donnez-moi ça, vous allez vous péter le dos encore. T'es gentil, toi, tu sais. Mais ouais, mais c'est dangereux, hein. Il faut bien que je fasse mes connexions. Je sais, j'ai pas dit ça, mais... Merci, mon chéri. Entre. Tu veux boire quelque chose? J'ai du shit. Du shit? Orange ou citron? Orange ou citron? Oh non, merci, ça me file des alus, ces trucs-là, bon. Bon, bah, faut que je rentre. Dis-moi, tu as pensé à ce que je t'ai dit l'autre jour? Quoi, vous avez des nouvelles du petit Martien? Samir, ça y est, c'est pour ce soir. J'en suis sûre, je le sens. Mon fils, Eric, il va atterrir ce soir au cimetière de Saint-Onge. Saint-Onge? Mais c'est super loin, c'est à deux plombes d'ici. Mais ça me ferait tellement plaisir que tu sois là. Non, laisse tomber, mamie. Moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai pas le permis. Mais qui te parle de me conduire? J'ai ma voiture. Je serais tellement heureuse que tu m'accompagnes. Tu seras mon témoin. Ouais, moi, ok, je vais voir, mais je suis pas sûr que je peux, hein, ce soir. Je compte sur toi, mon petit Samir. J'ai toujours su que tu étais un bon garçon. Il avait ton âge, mon fils, quand il nous a quittés. Tu lui ressembles beaucoup. Sinon, je voulais vous dire, si jamais je vous accompagne, je peux venir mater le match de foot chez vous avec Stéphane et Nader. Bon, comme tu voudras, mon chéri. Ok, bon, bah, je vais rentrer. Ma mère qui va gueuler. Je compte sur toi. Ouais, mais j'ai pas dit oui, non. À ce soir. We'll be right back.
C'est bon que tu sois là. T'inquiète pas. La conduite, c'est comme la bicyclette. Ce sont des réflexes qui se perdent pas. Avant la nuit. Et vous êtes sûr qu'il va atterrir ce soir, votre fils? Comment t'expliquer, mon petit Samir, quand tu auras mon âge, ce que je ne te souhaite pas d'ailleurs. C'est pas drôle de vieillir, tu sais. Mais il y a des choses étranges qu'on ressent parfois. Eric, comment te dire? Cette nuit, j'ai senti sa présence comme un appel douloureux à l'intérieur, tu vois? Ça m'a réveillée en sursaut. J'avais la tête qui bourdonnait. Ça doit paraître bizarre, ce que je te raconte. À ton âge, je me serais dit pareil. Elle est folle, la vieille. Non. T'es gentil. C'est pour ça que je suis contente que tu sois venue. Bonsoir, ami. J'ai la situation bien en main. Non, mais regardez bien en face, quoi. T'as peur avec moi? Ça fait 60 ans que je conduis. Tu vois, t'es pas mort, hein? Allez, dépêchons-nous, on va être en retard. Allez. Quelle idée de fermer un cimetière! Ils ont peur que leur vole leur mort ou quoi? Comment on va faire, mon petit Samir? T'as fait chier, mamie, j'en ai marre de vos plans. C'est quoi cette embrouille encore? Franchement, c'est super relou, hein. Tu dois savoir ouvrir ça, toi, non? Hein? Puis pourquoi ils mettent une boîte aux lettres sur un cimetière? Franchement, ça sert à rien. Bon, ok, vous devrez vous donner. Hein? Bah, tu... tu vois que j'avais besoin de toi, hein? Viens. C'est par ici. Viens. C'est ici qu'il a enterré votre fils? Là, une étoile filante, c'est lui! Ah, c'est un signe, il va atterrir, j'en suis sûre. Oh mon Dieu! Oh.
Il a encore une. Waouh. Waouh. Ah. Oh, mamie. Hé, hey, mamie. Qu'est-ce que vous foutez, mamie? C'est quoi ce bronze? Hé, hey, mamie, c'est pas le moment de faire des blagues, hein. Mamie. Merde. Eric, mon fils, je savais qu'on se retrouverait. Mamie! Mais mamie, c'est moi, Samir! Qu'est-ce que vous foutez là? Mon petit Samir, aide-moi! C'est idiot, hein? J'ai pas vu le trou dans le noir. Oh, comment vous m'avez fait flipper! Oh, j'y crois pas! C'est tout, vous avez dû vous faire super mal! C'est ma hanche! Quelle idée aussi de creuser des trous comme ça! Ils veulent nous enterrer vivants ou quoi? Vous n'allez pas nous faire le coup du col du fémur, hein, mamie? Attendez. Quoi? J'appelle un pote, il va venir nous pécho. Nous quoi? Nous chercher. Range-moi ça tout de suite. Il n'est pas question que je laisse ma voiture ici. Elle va nous ramener. Je vais nous ramener, hein? Oh. Attention, mamie, là, ça tourne légèrement à gauche. Voilà, voilà. Restez bien sur votre droite. Attention au fossé, quand même. Hey. Voilà, comme ça, c'est cool. Voilà, très bien. Changez rien, mamie, là. Changez rien. Ah, stop, passez en 50 mètres. Ralentissez, mamie, ralentissez. Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Et on s'arrête. Mamie, on s'arrête. On s'arrête, mamie. On s'arrête. Ouf. Ben pour quelqu'un qui aime pas conduire la nuit, je suis gâtée, hein. Avec toute cette buée. Et en plus avec ma hanche qui me fait mal à chaque fois. Ah. Heureusement que tu es là, hein. Oui, bon, vous voulez pas passer la première, mamie, histoire de pas se faire rentrer dedans par le premier couillon qui va débouler? Ah. Bon, on va à l'hosto. Non. Non, non, non. Je vais très bien, je t'assure, mon chéri. Et je vous rappelle que vous êtes quand même tombé dans la tombe d'un inconnu ce soir. Oui. Je... Non. Et puis d'abord, vous n'avez pas le choix. C'est moi qui décide. À l'hosto. Ça va, vous voyez bien, là? Oui. Ouais, Emma. Ouais. Quoi? Qui fais-je? Elle est où ta mère? Elle m'a tué. C'est arrivé quand? Ce soir? Je suis là. Oui, je rentre.
Excusez-moi. Votre grand-mère vous demande. Elle est morte. Ma grand-mère, je veux dire, elle est morte ce soir, toute seule chez elle à Alger. Je suis désolée. Je suis un ami de Madame Salmon. Comment elle va? Désolée, elle a à plusieurs reprises appelé Eric. J'ai pensé que c'était vous. Ah non, Eric, c'est son fils. Moi, je suis pas son fils. Moi. Il est mort il y a 20 ans dans un accident de parachute. Bon, mais je peux la ramener. Ah, en fait, on va la garder un petit peu. Elle doit subir une intervention chirurgicale. Putain, merde, c'était ça, c'est le col du fémur, alors. Ah non, au niveau de la hanche, à part un gros hématome, tout va bien. Elle a plutôt les os solides. Par contre, en faisant quelques examens, on a découvert quelque chose de beaucoup plus embêtant. Une tumeur au cerveau. Une tumeur, vous voulez dire quoi? Un cancer? Ah, disons que vous avez bien fait de venir. On va l'opérer très vite. Ne vous inquiétez pas, elle sait. Vous pouvez aller la voir. Chambre 12, au fond du couloir. Samir, c'est toi, mon chéri? Entre donc. Tu tombes bien, j'ai besoin de ton aide. J'étouffe ici. Je ne vais pas rester clouée dans ce lit jusqu'à demain matin. Ouvre les rideaux, s'il te plaît. En plus, ils sont vraiment affreux. Voilà. Je voudrais m'asseoir dans le fauteuil. Tu veux m'aider? Je vois, vous avez encore besoin d'un porteur. Ah, il paraît que la hanche, ça va. C'est juste un gros bleu. Oui, comme il paraît que j'ai un œuf dans le crâne, c'est pour ça qu'ils veulent m'opérer. Tu sais, ils te disent ce qu'ils veulent, hein. Voilà. Comme ça, je serai pas seule. Il est tard. Rentre chez toi maintenant. Allez. Prends 100 francs dans mon portefeuille, dans le tiroir, là. Pour le taxi. Allez. C'était bon que tu sois là ce soir. Bonne nuit. Ne déconne pas, hein. À demain. Je voulais vous dire, mamie, pour le cimetière, les étoiles, les signes, tout ça, vous aviez raison. À plus tard, mon petit Samir. Merci. Eric, mon fils, mon amour, je savais bien qu'on se retrouverait. Thank you.
Parfois rien à voir et rien à faire ensemble. Souvent ni de loin ni de près on se ressemble. Pourtant c'est bizarre mais y'a quelque chose que l'on ressent. C'est pas original mais on a tous le même sang. C'est sa plus belle leçon, parfois la vie nous recentre. Et c'est comme une boisson qui serait très rafraîchissante. Parfois je croise les gens et tout en réfléchissant, je me dis que leur parler serait plus enrichissant. Imagine que nos âmes deviendraient phosphorescentes et que dans la pénombre humaine on se repère et qu'on se rassemble. Que nos cœurs soient comme des diodes électroluminescentes et que l'on puisse tous ensemble perpétuer l'arborescence. Marcher dans le même sens et faire fi des clichés. Que tout soit transparent, impossible de tricher. Pour que l'équation humaine soit enfin déchiffrée. C'est un mot de chez moi mais je te jure que je kifferais. De compassion, d'amour on pourrait s'empiffrer. C'est un mot de chez moi mais je te jure tu kifferais. Je te jure, tu kifferais. Suffit juste d'essayer. Essaye.